Bonjour, nous sommes au carrefour de Shibuya, en plein cœur de Tokyo, où nous avons rencontré aujourd'hui des supporters français exaspérés et mécontents après l'annulation du match France-Angleterre, ce crunch qui devait se dérouler initialement ce samedi à Yokohama et qui a été annulé à cause du passage du typhon qui doit toucher la zone de Tokyo et de Yokohama sous peu. On se plie à la décision, évidemment. Mais on s'était fait un plaisir. On avait rencontré beaucoup d'Anglais, on s'était un petit peu donné rendez-vous dans les pubs et en fonction du match, essayer de. Gentiment, on s'était un petit peu titillé les uns les autres. Et puis à l'arrivée, bon, ce qui est dommage, c'est de ne pas prévoir un report. On était dans un endroit où le typhon ne passait pas et je pense qu'on aurait pu, à la rigueur, trouver une solution, même à huis clos. Et nous, on aurait pu aller dans un pub, regarder le match en compagnie d'Anglais, ainsi de suite. Quoi. Donc, on est déçu. Très déçu parce que notre voyage, il était ciblé autour du match France-Angleterre. Les autres matchs, sans les minimiser, c'était quand même des matchs qui nous disaient ou qu'on allait... Tout simplement, il servait à faire la poule, quoi. Mais le match d'Angleterre, c'était le plus important. En plus, on découvrait le stade de la finale, quoi. Et le plus important pour nous, c'est d'aller voir ce stade où va se dérouler la finale. On a peut-être la chance de voir le Japon contre l'Écosse. C'est le minimum qu'on puisse avoir, si c'est possible, dimanche, quoi. Parce qu'on doit repartir lundi pour la plupart des supporters français. Et voilà, on sera toujours dans cette déception, quoi.